Bonjour à tous, c'est Mega Dynamics et aujourd'hui on se retrouve sur Battlefield 1 en compagnie de Kevin. Salut à tous. Voilà, donc dans ce mode de, enfin dans cette vidéo, donc notre première vidéo en duo, donc hors live, donc on est chacun chez soi, donc on va pouvoir jouer ensemble sur le même mode de jeu, ça va être chouette. On va faire une petite. Même en live, on jouait pas ensemble. Bah non, c'est ce que je dis. Donc en live, on était chacun dans la même pièce, donc on savait pas jouer ensemble. Mais ici, comme on est chacun chez soi, on peut jouer ensemble. Oui, madame. Oui, voilà. Donc nous allons jouer sur le mode conquête, étant donné que c'est un mode qui dure plus longtemps que les autres et qui, à mon goût, se prête mieux à jouer en équipe, je pense. Donc là, j'ai lancé directement le mode conquête. Tu me dis si tu me suis ? Pour l'instant, j'ai rien eu. Bon, il est marqué chargement du mode, chargement de la carte, recherche dans votre zone, équivalence de vos compétences. Voilà. Et voilà, donc normalement, on va bientôt voir la map et on va sur aux frontières de l'Empire Conquête. J'avais jamais vu cette map. T'as déjà joué ? Ouais, toutes les parties, la moitié des parties que j'ai fait, c'est sur cette map. Ouais ? Moi j'ai jamais joué sur celle-ci. Bon bah ce sera une première. Je tiens à préciser. Je t'avais demandé si t'avais déjà essayé les bateaux. Oui, mais sur le forteresse de Fao, il y a les bateaux. Ah, celle-là j'ai jamais faite. Bah voilà. Moi je pensais que tu parlais de ça. Sur forteresse de Fao, bah il y a, enfin c'est des petits zodiaques quoi, pas des trucs de fou. Mais ici. Ouais, non, c'est des bateaux à la con. Ouais non, ici à mon avis si tu me demandes ça, c'est que ce sont des beaux bateaux. Bon, je sais pas. C'est pas des beaux bateaux. C'est des petits bateaux de merde. Ah bah c'est la même chose alors. C'est la même chose. D'ailleurs, bon. Moi je me souviens quand j'ai joué avec, il y a tellement personne qui les voulait. Ouais, bah pareil, moi il y a rarement des gens qui jouaient sur Forteresse de Fao. Ouais. Enfin voilà, est-ce que tu as mis des médailles Est-ce que tu as enclenché une médaille ? Non, j'ai pas activé de médaille. Je te conseille de le faire. Je dois t'avouer que j'en avais enclenché une hier, mais qu'il ne restait que 3 heures pour la faire, donc c'était un peu compliqué. Ouais, là maintenant, c'est vrai que. Bon, c'est mieux quand il reste 5 jours. Là, il me reste 5 jours pour accomplir mes médailles. Donc ça devrait le faire. Ouais, moi, là aussi, ouais. Moi, j'ai pris. Je sais pas si t'as la même, j'ai pris la Légion du Sang. La partie est prête, oui, je rejoins. C'était un truc faire. J'ai pris le Dragon Rouge, moi. En escouade. Bah voilà, de toute façon, chacun apprend ce qu'il veut. Nous sommes déjà dans la même team, c'est magnifique. Merde, là, je saurais te parler. Reprendre, retour. Ok, est-ce que j'ai choisi mon escouade. Et puis ensuite. Ok, donc toi tu seras en. Tu te mettras en quoi comme classe? Oh, je vais me mettre en assaut pour commencer. Ok, bah moi je suis en soutien, je te donnerai des munitions de toute manière. Quand là on est sur une partie qui est déjà au terme. Hein, Ah bah tu sais jouer toi. Ah ouais, voilà. Ah ouais, je suis déjà en jeu. C'est pas grave, bon bah je réapparais sur toi. Bah c'est pas grave, je pas, bah si, mais j'ai déjà joué à sur cette map. Mais je pensais que c'était Forteresse de Fao, moi ça. Ah non, hein. Ah bah j'ai déjà joué alors. Par contre, toi t'as été directement là où il y a plein d'ennemis, où il y avait un tank et tout quoi. Ouais. J'ai pas lancé une grenade, mais ça n'a pas aidé. Ouais, moi ça a rien changé du tout, je me suis fait déglaguer. Bon, mais étant donné que la partie est presque. Vas-y, je t'en prie. Je trouve que cette map elle est vraiment belle. Ouais, c'est vrai qu'elle est vraiment stylée. Bon bah je vais essayer de réapparaître. Je suis sur un véhicule si ça t'intéresse. Ouais, je vais réapparaître sur toi si je peux. Ouais, je peux, magnifique. Ok, je suis à la sulfateuse. C'est sur le véhicule ? Ouais. Ok. Attends, si t'arrêtes de bouger 30 secondes. Ah merde, c'est toi le chef d'escouade. C'est pas grave. J'aurais tiré sur le tank, mais je suis pas sûr que les balles ici fassent grand chose en fait. Non, c'est pour ça que je vais aller par là. J'allais dire, on va attaquer C, ça peut être bien. Ouais. Après, dès que t'es sur C, bouge plus parce que sinon, moi je sais pas tirer. Comme là par exemple, tu vois, chaque fois que tu bouges, je sais plus tirer, enfin, je sais tirer, mais c'est pas précis du tout quoi.
Ok, bon, on a été Ah, ça explosé. Bah oui, il fallait pas bouger, sinon je sais plus tirer. J'essaie d'aller au contact. Ouh, vas-y, ça va te plaire ce que je vais prendre. Ça va te Mais plaire. t'apparais Nous où? sommes Attends, en train attends, de ne réapparais perdre. pas. Voilà, maintenant tu peux réapparaître. Voilà. Ok, bon là on envoie du lourd, toi t'es On va sur un... déglinguer F ou C? Vas-y, mets ton viseur sur C et appuie sur RB et LT en même temps. Voilà. Tu vois, comme ça on sait sur lequel on va. C, je pense que ça peut être un bon parti pris étant donné qu'il y avait pas mal d'ennemis dessus. Ça peut être sympa. De toute manière, ici, ce qu'on va faire, on va relancer directement une autre conquête direct après celle-ci. Étant donné qu'on est sur la fin, voilà, alors on va relancer direct. Comme ça, c'est pas trop grave. On aura passé 10 minutes sur cette map De que je toute pensais. façon, là, on est clairement dans la merde. Hein. Ouais, On a mais 77 d'avance. ouais, ça c'est pas encore énorme, mais bon. Là, il y a des ennemis sur le côté. Je sais pas si tu les Non. vois. Ok, t'en as tué un. Premier kill. Magnifique. Il y en a encore un autre là. Moi, j'aime bien dézoomer. Oula, par contre, je vais réparer le tank. Essaye de tirer si tu sais. Pendant que je répare le tank. Parce que là, on est en train de nous tirer dessus. Il y a des Ouais, ennemis. tu sais pas d'où ça vient, je le vois pas. Moi, je suis un peu coincé là. Défaite. Ah, mais c'est parce que c'était la défaite en fait. Là, je me dis, c'est bizarre. J'avance, j'avance et ça marche pas. Bon, mais c'est pas grave, on va rester comme ça. Voilà, une superbe partie. Oui, partie magnifique. Bon, bah sans plus attendre, on va directement relancer une autre. On va pas regarder les scores parce que c'était de la merde. Franchement. Et j'ai fait un kill. Hein. Bah moi j'en ai fait. Ah non, j'en ai pas fait. Ah. T'es baisé, Voilà, hein? j'avais envie de roter, c'est juste. Oh, c'est frais, C'est c'est très frais. très frais, mais. Bravo, c'est beau, c'est frais, c'est assez. C'est ça le YouTube belge. Et C'est ouais. honteux. C'est. Ça sort tout par la C'est bouche. honteux. Allez sur Dailymotion, monsieur. Non, je reste sur le YouTube. Je reste sur Laissez le les YouTube. honnêtes gens. Par contre, moi, la fin de manche, mi-art, qu'est-ce que ça prend du temps? Je sais pas si toi c'est rapide. Ah ouais. Ça charge à crever, tu sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est le fait qu'on soit deux ou si c'est. Parce que ça m'avait jamais fait ça Non mais comme tout ça. seul, j'avais autant de problèmes, moi. Ah, moi pas. Moi d'habitude, ça allait bien. Parce que Bah tu sais, là, de toute façon, on s'en fout hein, de cette partie. on. Non, enfin, je vois même pas le détail de la manche, mais bon, c'est pas grave. Non, moi non plus. Ah, Et même ok. les Battle Pack, je sais pas si j'en ai ou pas. Bah, moi non, j'ai vu mon nombre, il a pas augmenté, donc. Donc, je suppose que je n'en ai pas. C'est pas grave, là, on va aller sur Forêt d'Argonne. Bon, par contre, ici, y a, je pense pas qu'il y ait des véhicules. Enfin, ou du moins, pas des véhicules intéressants. Parce que c'est une map qui, comme son nom l'indique, se passe dans la forêt. Ça, cette map-là, j'ai déjà fait. Et. Non, il n'y a pas de Et véhicule, en je dirais fait. même la forêt d'Argonne. Ouais. C'est ce que j'ai dit. Non, t'as dit dans la forêt, moi j'ai précisé. Ouais, mais enfin, c'est une map qui se déroule dans la forêt d'Argonne, voilà. Et il n'y a pas de véhicule, Après, c'est bien ce qui me pareil. semblait. Ok. On est les États-Unis. Ok, est-ce que je suis le chef de. Non, vas-y, verrouille A. Tu es toujours chef d'escouade? Ouais, c'est toi le chef d'escouade. Parfait. Parce qu'en fait, quand on va sur un objectif qui a été verrouillé par un de ses membres d'escouade, on a des points bonus pour voilà, ordre accompli ou des choses comme ça. Magnifique. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant une fois. Je balance une grenade. Ok, je lance une grenade. On va sur quoi après B? Ok, ouais, vas-y. Toi, on a gagné 100 XP de plus grâce à ça. C'est pas grand chose, mais c'est déjà ça quoi. Après, il faudra que je modifie ma classe parce que j'avais débloqué une visée sur ma mitraillette, mais j'aime pas en fait. C'est pratique pour dans les grandes maps, mais sur des petites maps serrées comme ici, franchement, je pense pas que ce soit bien. En fait, c'est le viseur du sniper sur une mitraillette lourde. Ok. Ok, nous allons avons sur pris C. l'objectif B. Ouais, bah apparemment c'est déjà en train de se capturer. Et là, on est en train de prendre l'avantage, il me semble. On a 3 points sur 5. Ouais, donc on a l'avantage. Ok, ordre d'attaque exécuté, Nous avons magnifique. pris l'objectif céleste. On a gagné chaque fois de l'XP. Donc maintenant, peut-être remets C, on va essayer de défendre C en fait.
Reverrouille-le, si tu sais. Reverrouille-c'est si tu sais. Comme ça, on va, comme ça, on va avoir l'ordre de défense. Moi, je me suis un petit peu caché ici. Faut faire attention parce qu'ils sont souvent là sur le côté. Ah oui, ça va bien. Ok, j'en ai là. Ils sont à droite du pont. Ouais. Genre, je sais qu'ils sont là parce que c'est là que je tenterai de tuer des gens. Mais voilà. Ils vont souvent sur cette ce promontoire là ou sur le promontoire d'à côté. Ah, je vais profiter pour modifier ma classe. Ok, ici sac de munitions. Est-ce que je peux débloquer le gros sac de munitions? Ok. Voilà, j'ai débloqué le gros sac de munitions. Qu'est-ce que je débloque d'autre? En pistolet, parce que j'ai quand même pas mal de trucs. On va essayer de débloquer un pistolet sympa. Non, il n'y en a aucun qui m'intéresse en fait, des pistolets, c'est dommage. Ok, bon, je réapparais sur C, je sais pas où t'es. Ah, putain. Mais je viens de... J'étais dans une brèche où ils étaient trois, j'en ai chopé deux, mais... Non, j'en ai chopé un et j'en ai blessé un autre. Ok. Merde. Sniper, attends, je reste... En fait, ne réapparaît pas trop vite, parce que s'il y a des médecins proches de nous, ils peuvent nous réanimer, donc... Ouais. Ça évite de mourir bêtement. Maintenant, je sais pas où il est, dans quelle brèche. Ok, moi, je suis sur une grosse pâteuse. Élimination des squads. Mais c'est quoi, ça? Ah, merde, sniper. En fait, c'est quand même pratique l'autre arme que j'avais pris. Je vais rééquiper ça. En fait, le viseur, il faut le temps de s'y habituer. Enfin, pour les combats rapprochés, c'est pas facile. Mais dès que tu te mets un petit peu à distance, c'est une tuerie en fait. Et comme ici, bon, bah, apparemment. C'est la merde, on est en train de perdre C. Ouais, apparemment, comme c'est à parti pris, chacun est à arme à distance, et bah, je vais faire la même chose. T'es sous le feu de l'ennemi. On est en train de perdre B même. Ouais. Moi je dis, on va d'abord récupérer B, il faut qu'on sécurise les points de derrière. Ok, bon, je me suis fait défoncer sur A. Il est sur A, donc essayons d'aller sur A d'abord. Je vais réapparaître sur toi. Il est dans le bunker dans A normalement, fais attention. Dis-moi si tu me... Ah, sa mère. Dis-moi où il est, comme ça je sais. Ouais, il est dans la porte à gauche. Ok. Il vient de fermer la porte. Attends, il se dirige vers la droite. Maintenant il est à la porte à droite. Ok. Ok, je l'ai buté, magnifique. Ok, est-ce qu'on a récupéré A? Ok, on va aller sur B. J'ai vu que t'avais déjà mis le point. Oh merde, il y a un sniper. Oh, oh merde. Enfin, attention, il y a pas un sniper, type avec un lance-flamme dans le bunker à A. A mon avis, on va reperdre. Merde. A, donc et je... Oui, je pense que A, on va le reperdre parce que là, il y a une escouade, c'était 4. Ouais, je suis sur... En route vers A, donc... Je suis sur A, et je suis avec l'arme à distance, donc normalement... Enfin, ça, on est quand même pas mal d'alliés sur A. Il faudrait quand même qu'on ait... Ça pue du cul, là. Il y a pas long sur ces munitions. Ok, il ferme les fenêtres au fur et à mesure qu'il passe. Et quoi, il veut pas ouvrir? Ah merde, la porte a été verrouillée de l'autre côté. Le chalumeau est toujours là, enfin le... Ouais. Attends, j'ai remis des munitions pour tout le monde. Faut essayer de le choper au dos. Ouais, essaye un peu. Comme ça qu'on l'a. Essaye un peu d'ouvrir la deuxième fenêtre. Qu'elle est? Bah, à droite, là, celle d'à côté, celle où tu me vois, pas celle-là, la deuxième, ici. Attends, parce qu'il est en plein. Merde, je suis mort. En fait, je voulais me mettre dans le couloir pour pouvoir le buter, mais en fait, il y a déjà des ennemis qui sont à distance. Voilà, elles sont ouvertes. Ok, merci. Parce qu'en fait, si tu laisses ouvert, on peut tirer dans le couloir, tu vois. Ouais. Bon, je réapparais super loin de A, mais je sais qu'il y a des ennemis qui sont sur A, donc je vais essayer de me les faire. Nous avons pris l'objectif. On est en train de perdre A. Ok, moi je sécurise A. Putain, mais
Attends, le gars me tire à travers le mur, quoi. Et moi, je sais même pas où il est, le gars. Ah ouais, lui aussi, pareil, quoi. Pas à travers le mur, mais à travers la tranchée. Bon, on a perdu A. Et si on allait choper D? Ouais, il y a l'air d'avoir personne dessus. Réapparaît. Regarde, il y a beaucoup de monde sur A et B. Ouais. On va sur D? Ouais, on va sur D. Verrouille D. Allez, en passant, on sécurise C. Enfin, on le met... Oh, je suis mort. Il y a une grenade. Il y a un type couché sur le pont, assez, juste à droite du drapeau. Derrière toi. T'es sous le feu, merde. T'es mort. Nous avons perdu l'objectif célestin. Bon, je retourne sur A parce qu'il faut absolument qu'on... Dit qu'ils aient... je pensais qu'ils étaient tous en chemin vers A et B, mais putain, il en reste encore pas mal du côté de D. Hein. Ouais, ouais, on va... Parce qu'en même temps, c'est du côté où ils respawnent. S'ils choisissent pas de respawn sur A point, ils respawnent d'office ici. Ouais. Donc là, j'arrête de sécuriser A, si tu veux, il y a personne pour le moment. Ah si, il y a un type... Merde, hein, putain. Nous sommes en train de perdre... Vraiment, je vais changer cette arme parce que... Quand tu rushes comme ça, bah c'est la galère en fait. Ouais. Je regarde s'il n'y en a pas une qui a plus de dégâts. Non, hop, je vais me remettre sur celle que j'apprécie. Voilà. Et si ça ne va pas... Bon, on est en train de perdre B en plus de ça. Oh là là. On se fait totalement ratatiner. On prend A, moi je vais sur A. Parce que A, c'est le principal, c'est le plus près de notre endroit où on respawn. Si à chaque fois on se fait déloger là, on n'arrivera plus jamais à avancer après. Ok, apparemment on a buté tout le monde sur A. On va sur B. Parce que sinon ça va vraiment être galère. Ok. Je vais sur B. Je suis en dessous de B là en ce moment. Je suis dans le bunker. Lance une grenade! Attention! Okay. Il y a encore un mec à grenade. Ok, je l'ai buté celui-là. Nous sommes en train de perdre l'objectif Anatole. Ok, je jette des munitions. Ok, j'essaie de me concentrer un petit peu. Je vais me mettre à quatre pattes ici. Oh mais si on sécurise pas B, ça sert à rien. Ils sont en train de se verrouiller dans le bunker ici. C'est ridicule. Ok, je suis dehors pour sécuriser B. Il y a l'air d'avoir de l'ennemi. Il y en a même une là, si tu veux. Tu veux tout savoir. Parce que je sais pas où t'es en fait, je te vois pas. Ah si, t'es derrière, ouais. Je suis couché là dans les barbelés. Ok, j'ai vu un type. J'aurais pas dû me relever maintenant. Putain. Là, quelques munitions. Je donne des munitions à tout le monde. Des munitions pour toi. Ok, dès qu'il réouvre la porte, on sait se les faire. Voilà, de toute façon, on a sécurisé B. Tu sais, là, ça pue du cul. On est déjà à 100. Non, mais c'est sur 9, c'est sur 1000, donc on a le temps. Hein. Ok, bon bah là je suis carrément au lance-flamme. Attention, il y a un type derrière nous au lance-flamme. Là ça pue là. En effet, ça commence à sentir mauvais. Je vais changer de classe. Je crois que je vais prendre une autre mitraillette. J'ai envie d'essayer. J'ai envie de je vais aller en mode... Je vais peut-être aller en médecin et je vais débloquer une arme qui me plaît. Alors médecin, oh je peux pas. Alors là, je vais essayer de prendre une qui me semble sympa. La précision, non. Merde, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Je vais prendre celle-là, je vais la débloquer, je vais essayer. Je vais me mettre en médecin, comme ça je peux te soigner au cas où. Je reviens sur B directement, sur toi. Oh la vache. Il y en a une quantité dans le petit bunker. Ouais, c'est ça que j'évite d'aller par là en fait. Ok, bon bah c'est vraiment de la merde les armes coup par coup, enfin du moins personnellement j'aime pas. Bon, je vais reprendre ma classe habituelle, j'ai usé 200 crédits pour rien, c'est pas grave. On est en train de perdre A en plus, magnifique. Je retourne sur A. Ok, bon. T'es en train de te faire tirer dessus? Ouais,
Je suis, je te follow. Ok, j'en ai tué un, magnifique. Attention, il y en a un devant toi. C'est vers lui que j'allais, mais j'étais hors de la zone de combat. Ok, il est où? Ok, merde, putain. Mais je comprends pas comment est-ce qu'ils arrivent à utiliser ces armes coup par coup. Moi, j'arrive vraiment pas, je sais pas toi. Moi, je galère à utiliser les armes. J'avoue, c'est pas ce que je préfère non plus. Ouh, le train. Mais le train, est-ce que je peux déjà aller dedans? On a le train à notre portée. Je peux pas aller dedans, en fait, c'est chiant. Ah la vache, putain. Ils ont repris le bunker. Bon, j'y vais. J'essaie d'aller dans le train. Non. Moi, je te dis, abandonne B pour le moment, on va sur C. Le train va faire le ménage sur C, ça va être bien plus simple. On va essayer de verrouiller C. Jordan C. Ouais, vas-y. De toute façon, il n'y a que nous qui voyons ces ordres. Merde, putain, mais encore lui. Putain, il est déjà niveau 61, le mec. Tu vois qu'il est balèze, quoi. Ils sont en train de reculer, ils vont tous sourcer. Ton naturel, bien joué, je t'ai vu. Ouais, y'a du monde sur C. Nous avons perdu l'objectif Eugène. Ok, est-ce que là je suis déjà dans la zone de capture? Là je suis dans la zone de capture. On avait l'objectif E? Ils l'ont pris pendant qu'on était en train d'essayer de se battre sur le bunker. Rentre dans la zone, sinon tu captures pas, t'auras pas les points. Nous avons perdu l'objectif à la Ouais, mais attends, avec le train, c'est pas. Mais tu reconfigures le train. Ouais, moi c'est ce que je fais, j'essaye de me mettre ici derrière. Et. Enfin, pas trop non plus à découvert, essaye de te mettre à quatre pattes, derrière un mur ou quelque chose comme ça. De toute façon, ils vont arriver de droite par le promontoire, comme l'autre fois. Ou par en dessous, peut-être. Moi je jette une grenade. J'ai mis une caisse de munitions. Nous avons perdu l'objectif désiré. Ok, on a capturé. Est-ce qu'on reste près du train ou pas? Là, je suis parti à la forêt, moi. Ok, je vais essayer de venir vers toi. Tu vas vers où, là? Essaye de marquer ton personne ici. Essaye de marquer ton objectif. Putain, j'essaie de voir s'il y a des gens, parce que s'il y a personne, je vais pas prendre l'intérêt de venir par ici. Si tu vas vers B, c'est une bonne idée, parce qu'on est en train de le perdre. A mon avis, ils ont abandonné C pour pouvoir aller vers B ah et A. Putain. Non, je suis pas à un endroit hospitalier là. Non. T'es où? Je viens d'arriver en plein milieu de leur camp. Ah non, ça c'est pas sympa ça. Ah la vache. Je suis arrivé tranquille, ils m'ont pas vu. Et puis quand je me suis relevé, il y en avait devant, il y en avait derrière, il y en avait sur les côtés. On est en train de perdre B si tu sais réapparaître sur moi. Ah, sur T, merde. Nous avons perdu l'objectif Berthe. On est en infériorité numérique, ils prennent le poids. Ouais, bah ils ont presque à 200 de différence quand même. Ouais, ouais, bah il faut qu'on récupère en fait, il faut qu'on remonte. Ok, j'en ai vu un. Putain! Je supporte pas ces armes, t'as l'impression qu'ils te touchent une fois et tu meurs. Toi t'as voulu en mettre 10 millions ouais. De balles, ils crèvent jamais. Moi je vais sur A. Je réapparais sur A comme ça je sais aller sur B direct. Et apparemment ça va. Si on arrive à récupérer D et B, on peut remonter le score. Parce que B, D ils sont en train de le prendre apparemment. Et on est en train de perdre C alors qu'il y a le trait dessus. Ça je comprends pas. Oula, j'ai vu beaucoup de monde, beaucoup d'ennemis là. Allez, t'es à lui, j'ai pas réussi à le tuer une seule fois. Je vais changer de classe. Je sais pas quoi faire pour avoir un truc qui déchire. Nous avons pris l'objectif désiré. Ok, là il bug. Bon, je vais rester avec cette arme là. Hein. Je réapparais sur B sur toi, comme ça on sécurise le poids. Ils sont derrière toi, ils sont derrière toi. Non, ils sont devant même. Il y en a partout alors. Perdu l'objectif Anatole.
J'en ai chopé un. Mais ouais. Pareil, t'en chopes un, t'en as quatre qui arrivent derrière. Moi aussi à la grenade. C'est chaud quoi. Bon, je vais attendre, je voulais attendre que le médecin me sauve, mais bon, il est trop lent. C'est vraiment trop chaud en fait. T'es toujours sous le feu de l'ennemi? Non, je peux réapparaître sur toi. Ouais, t'es sous le feu. Bon, je réapparais sur C, tant pis. On a déjà perdu. Vache, putain. Franchement, c'est pas une map facile celle-ci. Je suis niveau 2, donc ça te laisse supposer le nombre de parties que j'ai joué. Ouais. Quand tu vois un mec qui arrive niveau 20 à passer, mal au cul, hein. Bon, on a repris C. Voilà, vache. On a repris C, mais putain, il y a que des ennemis sur C. Ouais, c'est bien, je suis. Putain, mais ces armes là. Elles sont vraiment cheatées, je sais, je vais franchement. Le train, je sais pas ce qu'il fout, hein. Non, je sais pas non plus. Rien de bon ce train. Je vais essayer cette arme là parce qu'ils sont tous en train de jouer avec ça. Mais je sais pas ce que ça vaut. Ouais, je vais user pas mal de poids là-dessus, mais apparemment la classe médecin c'est une classe qu'il faut quoi. Parce qu'ils sont en train de. Enfin moi à chaque fois que je me fais tuer c'est par des médecins. Ok, bon. Alors. Nous avons perdu l'objectif célestin. On va sur B, sur C, sur je sais pas où. On peut aller sur D. On peut aller sur D. Bah D il est déjà appris. Ah oui, il est en cours. Nous sommes en train de perdre l'objectif Anatole. Ah là là. Je suis mort 8000 fois moi là. Putain, moi j'arrive vraiment pas. J'arrive vraiment pas avec cette arme. Putain. J'ai encore dépensé 200 trucs pour rien. Putain, y'a un gars niveau 52 en face de moi. C'est abusé les gens. Moi je vais sur A, on est en train de perdre 52, A. On est en train de perdre D, on perd tout en fait. Là franchement c'était pas une bonne partie. C'est hein. On le tient. Ouais là en même temps. On tient bien. Il y a le train dessus. Oh, la prochaine sera meilleure. Bah oui, il faut dire ça. Hein. C'est ce qu'on va dire. On a perdu l'objectif D. Ok. Ok. Ok, lui j'ai buté. Oh punaise, de peu. Il me restait 2 PV en même temps, donc il m'a mis une balle. Ok, il m'a réanimé, génial, avant que je ne passe. Super. Ok, coup de shotgun dans la gueule, j'ai rien compris à ma vie. Nous sommes en train de perdre l'objectif Anatole. C'est vrai que j'aurais peut-être dû essayer le shotgun. Je sais que je l'ai débloqué, mais... Bon, on est en train de prendre B, t'es sous le feu de l'ennemi. Je réapparais sur toi. Ah ouais, ouais, je comprends mieux. Je comprends mieux pourquoi tu disais qu'il fallait, pourquoi il était mis que t'étais sous le feu. Ah oui, là on peut pas être plus littéral que ça. Ouais, là c'était vraiment sous le feu. J'ai des munitions pour vous les gars. Choisissez, faites-vous plaise. Ok, j'en ai réussi à en avoir un quand même. Temps, je les vois même pas moi les gars la plupart du temps. Bah oui, je sais pas. 45, mais allez vous faire foutre. Ah, à mon avis on est mort par le même, monsieur 2, Bring. Moi, merde. Monsieur Bring. Nous avons perdu l'objectif Eugène. Bon, je vais ultimement changer ma classe et nous puis maintenant. Nous avons perdu l'objectif Eugène. Oh, nous avons perdu l'objectif Eugène. Je suis sur Charlie avec toi. On ne fait que ça, perdre des objectifs. Bah, étant donné que j'ai dû beaucoup diminuer le son, je n'entends pas du tout. Nous avons perdu l'objectif perdu. Je suis dans le train. Allez. Ouais. Il y en a de la chance. Bah ouais, mais c'est pas pour autant que je vois les gens. Donc Je lui ai usé 49 points de vie. Oh yeah. Le kit lance-flamme, le kit lance-flamme. J'ai le kit lance-flamme. Ça c'est bon ça. Yes. Essaye d'aller dans un bunker genre B ou quelque chose comme ça et là Mais c'est moi les gens. B on le reprend, on est en cours de le reprendre. Nous avons pris le. Je suis un peu loin de B.
Allez, je veux sortir. Allez, vas-y. Ah, le train m'écrase. Ok, j'ai éliminé les squads. On a pris B, donc il n'y a pas besoin d'aller sur B. Non, moi je défends. Je défends. Je vais pas remonter dans le train parce que sinon le train, tu vas toujours là où t'as pas envie d'aller en fait. Là, on remonte au score là. Ouais. T'es médecin toi, non? Non, je suis assaut. Je peux donner des balles, mais pas de la vie. Enfin, soutien plutôt, pas assaut, c'est quoi ça? Bon, je vais essayer de me mettre bien. Je vais me mettre à un endroit assez sympathique. Ok, là j'étais en train de me concentrer histoire de pouvoir me le faire. Mais il y en avait plein et maintenant il n'y en a plus du tout. Ok, je suis mort par un sniper. Lui il m'avait vu, moi je ne l'avais pas vu et il m'a tué. Bon, on réapparaît sur C. Chute mortelle, putain. J'ai sauté d'un caillou. Ça c'est excellent ça. Par contre là c'est vrai que niveau... On reprend bien là. Ouais. Mais je pense pas que ce sera suffisant. Non. C'est un peu trop juste. Ok, j'en ai tué un. Oh merde, encore un sniper. Faire attention sur C quand tu passes, il y a beaucoup de snipers à droite. Ouais, je viens de voir. Ah bah voilà. Ça se trouve t'as été buté par le genre même que moi. Genre de près hein. Ah ouais, tu l'as vu de près? Ouais. Moi je suis avec un autre sniper, je suis assez loin. Ok, lui shotgun dans ma face. Tu l'as tué? Ouais, le gars, je réapparais sur toi, quoi, et y'a un mec qui me fonce sur la gueule, quoi. Ouais, et c'est celui qui m'a buté, donc. Merci de m'avoir défendu. Oh là là. Viens avec. Essaye de me suivre si tu me vois. Nous sommes en train de perdre. Ok, non, il faut pas y aller. Attention, y'a un type dans le canon où jette une grenade là où je suis mort. Attends, c'est où? Un petit peu à droite de C, d'ailleurs on est en train de le perdre, ceci dit. C'est bon. Ah, tu m'as rejoint à la morgue. Bon allez, on va sur B. Bon. Allez, retour sur B. Bon allez, on jette des grenades comme d'hab. Ok, je l'ai tué. J'ai pas compris comment, mais je l'ai tué. T'as vu le bunker, l'état du bunker sur B. Il reste plus grand chose. Ouais. Ok, attention, de l'autre côté du bunker, il y a plein d'ennemis. Ah, une grenade inflammable. Bon bah je suis mort. Bon, il y a trois médecins, il y en a bien un qui viendra me réanimer. De toute façon, c'est fini là. Non, de toute façon, ouais, défaite. Bon, bah, de toute façon, je suis mort. Bon, bah, voilà, j'espère que cette vie. On va quand même regarder le tableau des scores. Oui, c'est vrai, ne regardons pas les résultats, ça risque d'être moche. Ouais. Bon, vous avez oublié cette partie. Vous avez oublié cette partie. Non, on va quand même regarder les résultats. S'ils s'affichent, s'ils s'affichent pas, bon, bah. Je crois qu'on peut avoir un battle pack des pires joueurs de cette manche. Il devrait. Ah, ça s'est affiché directement. Ouais, parfait, moi aussi. Alors, battle pack bonus ou alors, pas battle pack bonus? Est-ce que oui ou non? On va quand même garder ce suspense là. Évidemment, non. Alors, escouade, on a fait 24 éliminations. Mais on est mort 47 fois. Ah la vache. Ok. Violent. Ça s'est fait. Bon, et moi, t'as vu, j'ai fait le meilleur assaut. Je sais pas ce que ça signifie, mais j'ai fait le meilleur assaut. Bah je ne sais pas, enfin je suis quand même devant toi. Enfin, de l'escouade. J'ai fait 15 kills et je suis mort 22 et toi t'as fait 9 kills et t'es mort 25. Bon.
On va définitivement oublier cette partie, mais c'était bien sympa. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à le commenter, et bien sûr à nous dire en commentaire si vous voulez plus de vidéos où nous sommes deux. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao. Salut à tous.